l'an occasion la mort Lionel le Grand, n'a présenté condoléances non à toute famille Lionel, à toutes amies Lionel et surtout à toute staff Radio Soleil. L'occasion ça, la bande de communauté a pu supporter tout ça que famille Lionel et Radio Soleil t'avaient fait. Et bien, c'est pas un moment de division. C'est aux communautés qui ont pile talent, mais c'est malheureux parfois des temps de division. Eh bien, encore condoléances. C'est parti, non, à toute famille Lionel. Eh bien, on a regardé Kounia là sous écran, photo Lionel le Grand. Eh bien, ça, c'est staff Radio Soleil là. Nous allons entrer en dans Radio Soleil pour nous dire deux mots avec le directeur là, Rico Dupuis. Radio Soleil là qui pral dit nous l'occasion ça que la mort Lionel le Grand sort de icon lité m'd'cap dit dans station radio ça. Va dire nous deux mots sur situation ça. Bon et Rico, il sont cap dit nous de la mort Lionel et qui ça cap fait et actuellement la communauté. Bon, la mort Lionel son choc pour tout le monde. De la plus que monsieur fait nouvelle lit en vendredi soir. Et puis, monsieur mourit samedi matin. Donc, son bagage que jusqu'à présent, que nous avons des difficultés pour nous accepter. Excepté que, et malheur par les klaxons, les barbares avertissements. Pour prendre Jean Vinier, mais naturellement, et Lionel, absence libre, pour créer un coquin vide. Et Lionel, c'est une meilleure voix dans la radio diffusion haïtienne, tout le monde comme ça. Et là, avec nous depuis le début, c'est son véritable tristesse. Et la famille, il y a un petit timon. Oui, il y a quatre timons, que le vraiment pile, que le très attaché à eux-mêmes. Et puis, Madame Ni, ils étaient séparés, mais en fait, Madame Ni. Et puis, c'est tout, monsieur, son monde qui aime petit lapel. Ok, alors on parle actuellement qui préparation que station a dû faire avec famille. Bon, c'est famille qui a le dernier mot. Mais naturellement, on a fait toute qualité de support avec famille. On est très très proche de famille. Et puis, il y a une instance de décision. C'est-à-dire que peut-être entre jeudi et demain, décision capable de prendre. Mais jusqu'à présent, et c'est là que nous y sommes. Donc, on peut. Après, nous avons marché vers une décision. Dans les 2-3 heures, nous avons venir une décision finale en termes de côté. Alors, le dernier mot? Le dernier mot, c'est que la vie continue et que grand-mère la protège et que volonté grand-mère, c'est ça que fait. Mais en tout, en profiter de vos condoléances. Merci. Merci. Bon, et qu'on y a actuellement dans la Radio Soleil, écoutez que nous connaissons une nouvelle qui est très triste. C'est la mort de Lionel le Grand. Nous avons même sur Icon dans la communauté, qui fait toute ville, dans les médias, dans la communauté et en Haïti tout. Et nous avons nous qu'on y a là, au confrère Florestal qui peut dire nous comment il sent-il aujourd'hui à l'occasion ça. Et qui sont capables de dire nous de la mort de Lionel le Grand actuellement. Et bonsoir. C'est une occasion réellement exceptionnelle pour que je puisse parler de Lionel au passé. Lionel le Grand, c'est un monde qui servit la communauté haïtienne. C'est un monde qui gagne appréciation, estime la communauté haïtienne pour le travail qu'il a fourni. Donc ce n'est pas Lionel aujourd'hui, Lionel a dans Radio Soleil. C'est icon, c'est icon radio, c'est lui-même.
information, qui baille information. C'est lui-même qui fait tout le cas, il même qui fait publicité. Donc, Lionel devine intégrer la radio, et puis il devine intégrer la famille haïtienne, parce que nous sommes une petite famille en diaspora. Donc, Radio Soleil, avec toute la radio. Mais Radio Sayo, c'est au Radio Sayo qui va donner la chaleur, le soleil d'Haïti, à travers voix, bon, à travers leurs œuvres qu'il a réalisées bon, ici. Donc, je vous dis assez bien malheureux, mais Lionel Legrand, nous avons parlé de lui, parce que monsieur, pour passer, parce que monsieur parle encore. Nous ne pouvons pas prendre Lionel Legrand sur radio, nous ne pouvons pas prendre des nouvelles, nous ne pouvons pas prendre des. Alors, monsieur, vous façon de traiter des nouvelles là, là, pas nous comprendre, nous leur parler, nous comme des nouvelles, bah, il va passer devant. Donc, comme moi, je dis aussi bien malheureux, nous perdons, nous n'avons pas Lionel Legrand. Bon, et ou comme est-ce que vous dit, Michel, comme c'est au service communautaire que Radio ça a fait, et surtout même aux bonnes émissions ici, à quelle émission vous avez ici? Bon, bonne émission là, du 27 juillet, pour elle, après elle fait 22 ans. Alors, comment est-ce que l'émission? Émission Famille Lavalas, au show politique. Qui paraît chaque dimanche? Il paraît chaque dimanche après-midi, à partir de 3h, ou à 4h. Sur Radio Soleil. Sur Radio Soleil. Son show politique, c'est moi-même qui est présentateur principal, c'est moi qui est host principal là, c'est moi-même qui vous fait tout bas. Depuis 12 ans, on a fait ça. Donc, après-midi à la web là, c'est uniforme. Gladinon, et comment elle t'est senti le temps d'annoncer la mort et Lionel Legrand? Pourquoi dis-nous comment qu'on t'est senti le temps d'annoncer ça? Mais même de temps de directeur radio, Ricodi peut annoncer la mort de Lionel Legrand avec la peine. Ça te fait mal en pile si tellement c'était m'obligé à le faire pour moi parce que je me suis saisi. C'est pas au monde qu'on est chaque jour, mais avec voix Lionel, c'est comme si son monde chaque jour avec lui. Ça te fait mal en pile. Qui émission ou qu'on entend des. Émission Lionel. Tous les soirs, 8h du soir, qu'on fait émission, 8h du soir. Nouvelle. Et puis le samedi soir, à 8h, j'en jouette pour vous, pour le mettre auditeur, sous les zones jusqu'à 10h du soir. Bon, qui sont à dire à Famini, à Zamini et surtout à staff Radio Soleil là? Eh bien, je souhaite vous meilleures condoléances avec. Directeur radio, tout staff radio, même Jean-Ricodi peut te dire le nez de grand parti, il pas dit au revoir à radio, il pas dit au revoir à auditeur. Si tellement Ricodi, si tellement émotionné, il dit c'est ça seulement qu'a dit non. Ah ben ça t'a frappé ma pile aussi. Alors me souhaiter condoléances à la famille, à radio, à chouette pour tous les auditeurs qui sont. Attendez voir Lionel Legrand ainsi la famille Lavalas, Forestal, Cody Puy, Anina Cisco et tout staff qui contendait Radio Soleil. Ok. C'était à famille dans tout, à petite Lionel, yo, madame, ni, toute la famille et toute station radio. Tout me souhaiter pour tout le monde mettre la main forte, quel que soit ça, a fait pour Lionel, pour nous tous mettre la main. Merci beaucoup. S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là. We are going to go to the interview we had with the Haitian General Consul in New York. A great man, Wilson Nezé. We'll be right back. D'Haïti, yeah. Côté que nous avons une interview avec le consul général d'Haïti à New York, et c'est M. Philippe Wilson-Désir, comme nous connaissons. Depuis l'homme de quitter Haïti, d'ailleurs, et je viens de 1470. Bon, eh bien, Kounia là, je vais faire nous tendre voix Lionel Legrand. Dans un classique, dans un réclame que l'on a fait en 1995, pour un service qui parle là, je dis. Pour aller tendre voix ça, une voix soignée. Yon voix qui profonde, yon voix qui capable convaincre, yon voix suave. Entendez ensemble. Toi et moi. Yes, tu
grand besoin dans la communauté haïtienne, mais en pile monde on j'en gêne parler de lui. Et puis on pas de raison pour gêner encore. T'as coup ADF ou même tout besoin d'un compagne, d'une relation qui a abouti à rêve qu'on gagne, professionnel ou pas, ou même qui travail, ou même qui pas de temps, ou même qui dans solitude enregistré qu'on y a avec toi et moi. Moun qui va chercher depuis longtemps, qui va bien là attendre dans toi et moi. Ou pas besoin de passer une éternité pour jouer le monde qui va chercher. Monde ça grand et vaste.